quelques mois de cela, on a vu un article dans les journaux qui disent que la banque, on va changer tous les billets sans nous demander. Donc, moi, je vois, c'est un peu... je ne comprends pas pourquoi on le fait. Si les billets sont en circulation, il y a comme n'importe quel pays, vous avez des counterfeit notes. Il faut voir le volume de counterfeit notes qu'on a. Si c'est en termes de pourcentage, c'est assez volumeux, donc là, on change, mais on ne change pas. Regardez comme le PM a dit dans l'Assemblée, c'est pour regarder, disons, à l'Angleterre. L'Angleterre, sur 1 million de billets, ils ont environ une cinquantaine qui sont counterfeit notes. En Europe, sur 1 million de billets, ils n'ont que 75 billets counterfeit. Mais à Maurice, sur 1 million, on n'a que 15. Donc, je ne comprends pas pourquoi on doit changer de billets. Pour le moins.